Sur les quatre prochains matchs, on joue trois fois à l'extérieur. On joue Paris également, qui est quasiment, on sait, un match où il va falloir qu'on défende bien. Et ça commence par demain à Rennes. Voilà, il faut qu'on retrouve une équipe de l'Estac très très bien organisée, très difficile à manœuvrer, chiante à jouer, très solide défensivement, capable de faire mal en contre. Voilà un petit peu l'idée. On a envie, la semaine n'est pas terminée, on a pris 4 points sur ce début de semaine et on a envie d'aller en gratter encore au moins un petit contre cette équipe de Rennes. Donc l'idée effectivement, dorénavant, c'est que chaque point sera très très important dans notre parcours et dans notre quête de l'objectif maintien. Donc chaque point sera très très précieux. Et ça vaudra la peine de vraiment faire beaucoup, beaucoup d'efforts et de cultiver peut-être une mentalité dans le jeu défensif que peut-être on avait quelque part un petit peu laissé de côté. Voilà, l'objectif est vraiment de se retrouver ça, de fermer les espaces, de ne pas permettre à l'équipe adverse de trouver de la profondeur et d'avoir 11 bonhommes sur le terrain qui défendent vraiment à 11 quand l'équipe n'a pas la balle. Ça n'omet pas le fait que quand on va avoir la balle, il va falloir bien l'utiliser et ne pas le perdre trop vite. Voilà, c'est cet équilibre qu'il va falloir trouver dans ce genre de match en essayant peut-être... c'est difficile ce que je vais dire, mais il faudrait que ce soit nous qui parvenions à imposer le tempo du match et non pas l'équipe rennaise. Voilà. C'est une équipe qui reste sur deux très bons résultats à l'extérieur, mais qui, à domicile, a été battu par Guingamp. On sait qu'il y a beaucoup de qualités, la vitesse de Sarr, la qualité de Bourigeau, une paire d'attaquants, là aujourd'hui, Casery, Sacco, qui est forcément redoutable, Benjamin André, que je trouve vraiment très impressionnant au milieu. Donc voilà, c'est une belle équipe. Mais à nous, de par notre organisation, les faire perdre un peu confiance, les faire déjouer. Mais c'est un très très bon match à jouer. Et puis voilà, surfer un petit peu sur la confiance retrouvée grâce à ces 4 points pris en 2 matchs. Aujourd'hui, il y a eu trop de matchs où on est revenu les mains vides. Donc c'est parfois... en te persuadant que tu vas pour accrocher absolument au minimum un point, que des fois tu as la surprise d'en ramener 3. Donc un point serait une très très belle performance pour nous. Il viendrait conclure une belle semaine. Si on prend sur la semaine 5 points, ça serait une très bonne performance. Donc là on est déjà à 4 points. Un petit point viendrait bonifier un petit peu notre mois de février. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on aille avec cette intention-là. Ramener quelque chose de ce déplacement. Et moi, j'y crois vraiment. Je suis convaincu que mon équipe peut le faire. Et voilà, j'ai senti mes garçons ce matin dans l'entraînement, avec des sourires. Voilà, on va y aller. On sait que tous les matchs sont difficiles pour tout le monde, voilà, quel que soit l'adversaire. Donc, allez, c'est un très bon match à jouer. Très bon match à jouer.